Je m'appelle Julie, j'ai 9 ans. À la guerre du Cent Ans, les gens savaient-ils écrire comme aujourd'hui? Bonjour Julie et bonjour au petit monsieur qui est enfermé là-haut dans la prison tout en haut du château. Alors pour répondre à ta question, oui et non. En fait, pour résumer grossièrement, il y avait les riches d'un côté, les seigneurs, les nobles, et de l'autre, les pauvres, principalement des paysans. Charlemagne avait bien inventé l'école, mais elle n'était pas obligatoire. Du coup, les riches pouvaient se permettre de donner une éducation à leurs enfants, et donc de leur apprendre à lire et à écrire, et les pauvres, eh bien pour la plupart du temps, les enfants apprenaient le métier des parents pour les aider à la ferme par exemple. En plus, il était assez difficile d'avoir du papier pour écrire dessus, puisque c'était quand même un peu cher. Avant le XIIIe siècle d'ailleurs, il y a très peu de nobles et de riches qui savent lire et écrire. C'est surtout des moines qui écrivent sur les parchemins. Mais là, on parle de la guerre de Cent Ans qui a lieu de 1337 à 1453 entre la France et l'Angleterre. À cette époque, tout le monde ne sait pas très bien écrire, mais il y a des progrès. Par exemple, les femmes d'artisans savent souvent écrire pour aider leur mari à gérer l'entreprise. Par contre, chez les paysans, c'est toujours pas ça. Mais il y a surtout une chose qui fait que pendant la guerre de Cent Ans, on ne va pas progresser du côté de l'enseignement de l'écriture. En fait, pendant 5 ans entre 1347 et 1352, donc en pleine guerre de Cent Ans, il y a la fameuse épidémie de peste noire sur toute l'Europe. Au bout de 5 ans, c'est environ un tiers de la population qui meurt, et donc des enseignants et des professeurs aussi. Donc, il y a moins de professeurs et il y a moins de temps pour l'étude puisqu'il faut aller à la guerre. Les paysans, eux, c'est encore pire, puisque pour faire la guerre, il faut des sous. Et donc, on taxe les paysans qui doivent travailler encore plus pour réussir à les payer. Et donc, ils sont obligés de travailler avec leurs enfants qui n'apprennent pas à écrire. Donc oui, il y avait des gens qui savaient écrire, très bien même, mais la majorité de la population ne savait pas écrire.